Dans le cadre de l'élection présidentielle au Bénin, la liste électorale permanente et informatisée, l'EPI, est transmise ce mercredi 10 février 2021 à la Commission électorale nationale autonome après son actualisation. Du fichier électoral national, nous avons pu extraire la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, qui va servir pour l'élection présidentielle d'avril 2021, d'un total de 5 523 524 électeurs arrimés à 7860 centres de vote, dont 11 à l'extérieur. Cet effectif de la LEPI intègre les nouveaux inscrits et les nouveaux majeurs en référence à la date du scrutin de l'année 2021. Le nombre d'électeurs est passé à 5 523 524 contre 5 235 609 en 2020, soit un taux de progression de 5,5%. Le point de la répartition de ces électeurs par département et à l'extérieur du pays a été fait par le COSLEPI, dont les efforts sont ici salués. Je voudrais donc vous adresser au nom de mes collègues toutes nos félicitations pour le travail abattu à vous-même et à vos collaborateurs ainsi qu'aux membres de l'ANT. Monsieur le Président du COSLEPI, à travers vos propos, j'ai compris qu'il s'agit d'une liste fiable, une liste sur laquelle il n'y aura pas de contestation, une liste qui nous permettra d'organiser les élections dans la transparence et surtout dans la paix. 45 543 Béninois de l'extérieur sont autorisés à prendre part au scrutin du 11 avril prochain. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.